elles sont entassées les unes sur les autres. Et ouais. Et les poutres, elles sont solides. Oh, regardez, il y a une fenêtre. On dirait une cave. Bah, il y a des marches ici. Bon là les filles, on vient de voir un village qui était en ruine. Mais là je vais vous montrer un village qui était en ruine mais qui a été reconstruit. Ah cool, ouais. Allez, on y va. On y va. Regardez les filles, voilà le village dont je vous ai parlé, celui qui a été reconstruit. Tout reconstruit ici. Ah, c'est pas comme le village qu'on habitait avant. Alors les filles, ça vous a plu notre petite visite des deux villages? Ouais. Ouais. J'aimerais bien vous parler d'une chose. Et pour ça, j'ai besoin d'une Bible. Est-ce que vous en avez amené une avec vous? Ah ben moi j'ai une Bible dans mon sac. Il y a un verset dans le Proverbe qui parle de la ruine. Vous savez ce que c'est les ruines? C'est quand tout est cassé. C'est le premier village qu'on a vu en fait. Et dans ce verset là, il dit que l'orgueil amène la ruine. Et en fait l'orgueil, c'est quand on est vraiment vraiment fier de soi, puis on a tout envie de faire par soi-même, puis on pense plus du tout aux autres, et on pense vraiment tout ce qui est bien de nous, mais on pense plus aux autres. Et tout ça, bah, ça amène pas des bonnes choses en fait. Et l'orgueil en fait, ça plaît pas à Dieu. Et puis quand on est orgueilleux justement, bah, on lui désobéit. Et donc vous voyez dans le Proverbe, il est écrit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Et par contre, quand vous regardez ce village, il a été totalement reconstruit par les gens. Et ça, la Bible en parle aussi. Elle dit que quand on aime vraiment Jésus et qu'on travaille tous ensemble, ben là, on peut construire quelque chose de vraiment beau. Et on peut s'encourager les uns les autres, dire des bonnes choses les uns des autres. Et ça, ça construit quelque chose de vraiment beau. Et donc, j'aimerais bien vous apprendre un verset aujourd'hui qui se trouve dans Hébreux 3:13. Et ce verset, il commence par « Encouragez-vous ». Et « Encouragez-vous », c'est comme on a dit, c'est construire des choses ensemble. « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Chaque jour. Chaque jour. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse. Trompé par le péché. Trompé par le péché. Hébreux 3:13. Hébreux 3:13.